Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter ma technique, comment on fait pour avoir le pack-a-punch monstre 3 ou 4. Par contre, si vous voulez tout ouvrir, tout faire, ainsi que les épées, enfin ainsi que l'épée, je vous invite à aller voir ma autre vidéo qui est sur le sujet, qui est pareil que celle-là, mais seulement pour le tout ouvrir et l'épée. Voilà, et donc si vous voulez juste le pack-a-punch le plus rapidement possible, et vous êtes sur la bonne vidéo. Donc là au début, vous allez vous transformer en bête au fond là-bas. Vous activez courir vite si vous voulez. Après vous activez la grue. Vous montez en haut. Vous activez l'escalier. Vous descendez. Vous cassez la porte. Et après vous activez la toux, là je sais plus comment ça s'appelle, réanimation rapide. Et après vous cassez la boîte, enfin le carton, enfin le truc, je pense que j'ai. Bon voilà, et après vous récupérez le stylo là, qui est aux plumes. Après vous récupérez le truc d'invocation. Vous allez faire le rituel. Vous allez faire le rituel. Après vous allez dans cette zone, donc canal district. Vous transformez en bête, vous allez casser la boîte en bas. Après vous allez ouvrir la porte en tapant dedans. Après vous allez allumer le jus qui est là-bas. Et du coup après vous pourrez récupérer l'insigne de police. Après vous montez ici pour faire le rituel. Alors juste comme ça, pour tuer les zombies, au début manche une, faut tirer dans la jambe. Vous tirez 2-3 balles maximum. Et puis après vous foutez un coup de couteau. Et puis manche 2, après vous en tirez 4 là où vous voulez, puis vous foutez un coup de couteau, comme ça au moins on gagne un peu plus de points. Donc là vous transformez en bête, vous allez en haut avec le grappin, vous allez casser la caisse, vous allez direct au théâtre là-bas, vous prenez le grappin, enfin vous mettez avec le grappin, vous allez là-haut là où je suis allé, et vous activez le courant. Après si vous voulez activer l'atout et l'escalier, il n'y a pas de souci, vous pouvez essayer. Donc du coup après vous venez faire le rituel. Donc vous voyez là on est que manche 3, hein. C'est pas mal. Donc moi il manquait juste un peu de points, du coup j'ai pas pu malheureusement. Il manquait du genre 200 points, donc du coup j'ai dû prendre une bombe nucléaire pour avoir assez. Bah, c'est pas grave, c'est comme ça. Et après vous allez à... Oui, donc l'autre endroit c'était Footlight District. Après là vous allez à Waterfront District. Donc vous transformez en bête. Bon là tout, vous n'êtes pas obligé de l'activer, mais bon si vous voulez comme moi l'activer, vous le faites. Après vous allez vite en haut pour casser la caisse. Et là vous sautez directement de l'autre côté de la barrière pour aller ici activer, enfin et ouvrir la porte. Après vous allez activer le rituel. Donc ça sera le dernier rituel. Alors je tiens à préciser qu'à chaque fois que vous faites un rituel, vous gagnez 500 points, ce qui fait que ça aide bien. Donc pour ça, il faut vraiment faire les rituels à chaque fois. Pensez à prendre les verres à chaque fois. Ça évite de se faire chier au moins à revenir, tout ça. Voilà, donc quand même, voilà, comme vous voyez, j'étais passé manche 4 déjà. Donc là, bon, je vais mourir un peu bêtement, malheureusement. Voilà. Mon arme qui était pas assez puissante, manche 4, bizarrement. Enfin bon, c'est pas très grave. Heureusement que j'ai pris réanimation juste avant. Voilà, donc après vous venez dans la faille. Donc avant avec une des portes que vous avez ouvert, donc celle de Canal District généralement, je pense que c'est la seule qu'on ouvre. Vous allez à Canal District, vous ouvrez la faille, à part si vous l'avez fait avant, et vous allez dedans en fait, et vous verrez, vous pourrez aller dans ce monde quoi, là où je suis. Une fois là, et ben vous mettez les verres, les 4 verres, et puis après vous mettez la boule d'invocation, la clé d'invocation, sur le truc de rituel, et puis après vous faites le rituel tranquillement, ça va très bien. C'est assez simple, hein, vous voyez, hein, y a pas grand monde, tout ça. Et puis après, une fois ça, bah vous avez le pack-a-punch et vous êtes content. Donc juste pour le délire, là. Imagine vous êtes comme moi, vous êtes à 3900 ou même à 3500, il vous manque des points. Ouais voilà, ouais. Effectivement, il faut prendre la bête, activer les atouts qu'elle a, les deux atouts, et puis activer la porte en haut et casser la boîte, comme ça au moins
c'est fait, voilà, moi c'est fini, vous avez fait ça. Juste comme ça, hein, au cas où si vous avez assez de trucs de transformation. Donc du coup, là il y a une bête qui apparaît et vous pourrez gagner 1500 avec cette fameuse bête Margois. Et du coup, bah normalement si vous faites tout ça bien, vous aurez même carrément la chance de pouvoir améliorer une arme manche 3 ou 4, plus 4 à mon avis. Ouais, voilà. Donc bon, j'en ai fini pour cette vidéo. Donc du coup, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé à faire comme moi et à faire des bonnes parties en commençant comme ça. Par contre, je suis en solo. En multi, je peux pas vraiment le faire. Puis ça serait un peu compliqué pour moi de le faire parce que j'ai pas le visionnage des autres personnes. Du coup, il faudrait que je fasse tout moi-même en solo, mais en même temps en multi. Enfin, un peu comme j'ai fait pour le succès secret. Bah, à la limite, si vous voulez faire le faire à 4, l'astuce, bah vous faites, vous allez sur la vidéo du succès secret, puis là vous aurez l'astuce pour le faire à 4, il n'y a pas de souci, manche une, hein, voilà. Donc, bah j'en ai fini, donc si vous préférez tout ouvrir, bah je vous invite à aller voir mon autre vidéo, hein, vous faites comme vous voulez, ou sinon vous allez sur YouTube, vous faites, je sais pas moi, ah bah je sais même pas qu'est-ce que vous pouvez écrire, enfin bon, vous écrivez quelque chose qui vous paraît normal, qui pour trouver comment on fait, puis voilà, hein, vous mettez astuce, je sais pas quoi, BO3, bien commencer, voilà, bien commencer sa partie, puis vous trouverez sûrement quelque chose. Voilà. Donc du coup, bah moi je vous dis bonne journée. voilà, un petit suicide bien marrant, bien sympathique. Du coup, moi je vous dis bonne journée, ciao. Si on peut mettre ami ou tout le monde, enfin tout le monde, presque tout le monde. Et voilà, le rituel est terminé. Et là, qu'est-ce qu'on voit pas? Le succès, on se dit, ah bah au final.